بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'est révélé, qu'il n'y ait à son sujet aucune gêne dans ton cœur, afin que par lui tu avertisses les gens et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été révélé en provenance de votre Seigneur et ne suivez pas d'allié en dehors de lui. Vous vous souvenez si peu. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Que de cités nous avons détruites, notre punition les atteignit, soudainement durant la nuit ou durant leur sieste. Leur unique supplication, lorsque survint notre colère, se limita à ces paroles. Certes, nous étions injustes. Nous interrogerons certainement ceux à qui notre message a été envoyé, de même que nous interrogerons les messagers. Puis, nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car certes, nous n'étions pas absents lorsque cela eut lieu. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ La pesée ce jour-là sera équitable. Ceux dont les bonnes actions pèseront lourd seront les bienheureux. Quant à ceux dont le poids des bonnes actions sera léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. Nous avons donné, à vous les êtres humains, de l'autorité sur terre, et nous vous y avons pourvu de moyens de subsistance. Mais vous êtes très peu reconnaissants. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين Nous vous avons créé, puis façonné, et nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Dieu dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Iblis répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. Dieu dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, alors sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un sursis, dit Iblis, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui un sursis est accordé. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Iblis dit, puisque tu m'as égaré, je me tiendrai à l'affût d'eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Dieu dit, sors de là, méprisé et banni. Quant à ceux qui te suivront, de vous tous j'emplirai l'enfer. أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين Dieu dit, ô Adam, habitez le jardin, toi et ton épouse, et mangez-en ce que vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis Satan, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur chuchota. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. Et il leur jura, vraiment je suis pour vous un sincère conseiller. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا
الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alors par tromperie, il les encouragea. Et lorsqu'ils eurent goûté au fruit de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du jardin. Alors leur Seigneur les appela en leur disant : Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ? Et ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré ? Ils dirent : Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Dieu dit : Descendez d'ici. Vous serez ennemis les uns des autres. Il y aura pour vous sur terre un séjour et des moyens de subsistance pour un temps. Puis il dit : Là vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité ainsi que pour vous parer. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de Dieu, peut-être se rappelleront-ils. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous séduise point, comme il a fait sortir du jardin vos premiers parents, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Certes, lui et sa tribu vous voient, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons fait des diables des alliés pour ceux qui ne croient pas. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
Quand ces derniers commettent une indécence, ils disent « Nos ancêtres faisaient de même et c'est Dieu qui nous enjoint de le faire ». Dis « En vérité, Dieu n'enjoint jamais l'indécence ». Dites-vous au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas ? Dis « Mon Seigneur enjoint la justice et tournez vos visages vers lui à chaque lieu de culte et invoquez-le. Que votre dévotion ne soit dirigée que vers lui. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il a guidé une partie de l'humanité, tandis que l'autre partie a mérité sa perte en choisissant les diables pour alliés à la place de Dieu, tout en considérant être bien guidé. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Ô enfants d'Adam, portez vos meilleurs vêtements dans chaque lieu de prière et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Certes, Dieu n'aime point ceux qui commettent des excès. Dis, qui a interdit la parure de Dieu, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses dont il vous a pourvu? Dis, ils ne seront destinés, au jour de la résurrection, qu'à ceux qui auront cru en cette vie. Ainsi, détaillons-nous nos signes pour les gens qui savent. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dis, mon Seigneur n'interdit que les actes indécents, tant apparents que secrets. De même que le péché, l'agression injustifiée, le fait de lui associer ce au sujet de quoi il n'a révélé aucune preuve, et de dire sur lui ce que vous ne savez pas. À chaque communauté, il y a un terme, et lorsque vient leur terme, elles ne peuvent le retarder d'une heure, ni le hâter. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ô enfants d'Adam, si des messagers vous viennent pour vous transmettre mes signes, alors ceux qui s'abstiennent de faire le mal et s'amendent n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Mais ceux qui rejettent nos signes et s'en détournent avec arrogance, ceux-là sont les habitants du feu, et ils y demeureront éternellement. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu ou qui rejette ses signes. Ceux-là recevront la part du livre, des décrets, qui leur a été prescrite jusqu'à ce que nos messagers, les anges de la mort, viennent prendre leur âme en leur disant « Où sont maintenant ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu ?» Ils répondront « Ils nous ont abandonnés » et ils témoigneront ainsi contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Entrez dans le feu, dira Dieu, avec les communautés de djinns et d'hommes qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté y entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsqu'elles s'y retrouveront toutes, la dernière d'entre elles dira de la première « Notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, double-leur donc le châtiment du feu. » Et Dieu dira « Pour chacun, il y aura un double châtiment, mais vous ne savez pas. » Et la première communauté dira à la dernière « Vous n'avez aucun avantage sur nous. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Certes, ceux qui rejettent nos signes et s'en détournent avec arrogance, les portes du paradis ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront dans le jardin que lorsqu'un chameau arrivera à passer à travers le chat d'une aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi, rétribuons-nous les injustes. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous n'imposons à aucune âme une charge au-delà de sa capacité. Ceux-là seront les habitants du jardin où ils demeureront éternellement. Et quelque rancune qu'ils puissent avoir dans le cœur, nous l'enlèverons. Au-dessus d'eux couleront des ruisseaux et ils diront « Louange à Dieu qui nous a guidés jusqu'ici. Nous n'aurions pas pu être correctement guidés. Louange à Dieu qui nous a guidés jusqu'ici. Nous n'aurions pas pu être correctement guidés s'il ne nous avait pas lui-même guidés. Certes, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité et il leur sera proclamé. Voilà le jardin dont vous héritez pour ce que vous faisiez de bon. » ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Les habitants du jardin crieront aux habitants du feu. Nous avons trouvé que la promesse de notre Seigneur était vraie. Avez-vous aussi trouvé vraie la promesse de votre Seigneur? Ils répondront « Oui, en vérité ». Et entre eux, un crieur annoncera que la malédiction de Dieu soit sur les injustes, qui interdisaient aux hommes l'accès au sentier de Dieu, qui cherchaient à le rendre tortueux et qui ne croyaient point à l'au-delà. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Entre les deux, il y aura une séparation. Et sur ce rempart, surélevé, se trouveront des hommes qui reconnaîtront chacun par leurs traits caractéristiques. Ils crieront aux habitants du jardin, « Paix sur vous !» Ils n'y entreront pas, même s'ils le convoitent. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Lorsqu'ils tourneront leur regard vers les habitants du feu, ils diront Notre Seigneur, ne nous fais pas rejoindre le peuple injuste. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Les gens qui seront sur le rempart, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront « À quoi vous ont servi votre arrogance et tout ce que vous aviez amassé ? Est-ce donc ceux-là, au sujet desquels vous juriez que Dieu ne leur accorderait aucune miséricorde ? » À eux il sera dit « Entrez dans le jardin,
vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Les habitants du feu crieront aux habitants du jardin: déversez sur nous de l'eau ou de ce que Dieu vous a attribué. Ils répondront: Dieu les a interdits aux mécréants. Ces derniers considéraient leur religion comme un jeu et un amusement. Et ils étaient leurrés par la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de ce jour que voici. Et nous les oublions parce qu'ils rejetaient nos signes. بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de sa promesse? Le jour où surviendra sa réalisation, ceux qui, auparavant, en étaient insouciants diront: les messagers de notre Seigneur nous sont vraiment venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou alors, pouvons-nous être renvoyés sur terre afin que nous agissions autrement que par le passé? Ils ont mené leur âme à sa propre perte et ils ont été abandonnés par les divinités qu'ils inventaient. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Certes, votre Seigneur, c'est Dieu. Il a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour avec la nuit, laquelle poursuit le jour sans arrêt. Et il a créé le soleil, la lune et les étoiles, tous soumis à son commandement. En vérité, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Dieu, Seigneur des mondes. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ô gens, invoquez votre Seigneur en toute humilité et avec discrétion.
Certes, il n'aime pas ceux qui transgressent les limites. Et ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde de Dieu est toujours proche de ceux qui font le bien. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. C'est lui qui envoie les vents comme précurseur de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte un nuage lourd de pluie, nous le dirigeons vers un pays mort de sécheresse et nous en faisons descendre l'eau, par laquelle nous faisons sortir de la terre toutes les variétés de fruits. Ainsi, ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays donne une végétation abondante avec la permission de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'avec difficulté et de façon insuffisante. Ainsi, exposons-nous les signes pour les gens reconnaissants. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il leur dit: Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Certes, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent : Nous voyons que tu es manifestement dans l'erreur. Il dit : Ô mon peuple, je ne suis pas dans l'erreur, mais je suis un messager, envoyé de la part du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur et je vous donne des conseils sincères, et Dieu m'a donné un savoir que vous n'avez pas. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Vous étonnez-vous qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur par l'intermédiaire d'un des vôtres, afin qu'il vous avertisse, afin que vous le craigniez et que peut-être la miséricorde vous soit accordée. Mais ils le rejetèrent. Alors nous les sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous noyâmes ceux qui avaient rejeté nos signes. Vraiment, c'étaient des gens aveugles. أفلا تتقون
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Au Had, nous avons envoyé leur frère Oud. Ce dernier leur dit: Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craindrez-vous donc pas? Les notables de son peuple, qui étaient mécréants, dirent: Certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit: Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager, envoyé de la part du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Vous étonnez-vous qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur par l'intermédiaire d'un des vôtres, afin qu'il vous avertisse? Rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu'il a fait de vous des créatures puissantes et de forte taille. Rappelez-vous tous les bienfaits de Dieu. Peut-être réussirez-vous. Ils dirent: Es-tu venu à nous pour que nous adorions Dieu seul et que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا Il dit: Vous voilà destinés à un supplice et à la colère de votre Seigneur. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez inventés, sans que Dieu n'en ait révélé la moindre preuve? Attendez donc les conséquences de vos actes. Moi aussi, j'attends. Puis nous les avons sauvés, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui rejetaient nos signes et qui n'étaient pas croyants. قد جاءتكم بينة من ربكم
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Au Thamoud, nous avons envoyé leur frère, Salir. Ce dernier leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Certes, une preuve claire vous est venue de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la manger sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. » Rappelez-vous quand il a fait succéder au Had et vous a installé sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ses plaines et taillé des maisons dans ses montagnes. Alors, rappelez-vous tous les bienfaits de Dieu et ne semez pas la corruption en répandant le mal sur la terre. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Les notables de son peuple, qui étaient arrogants, dirent aux opprimés, à ceux qui croyaient parmi eux, savez-vous si Salir est envoyé par son Seigneur? Ils dirent, certes, nous croyons au message avec lequel il a été envoyé. Ceux qui étaient arrogants dirent, certes, nous ne croyons pas en ce que vous croyez. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Alors ils tuèrent la chamelle et défièrent ainsi le commandement de leur seigneur. Ils dirent, ô Salir, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es vraiment de ceux qui ont été envoyés par Dieu. Alors le tremblement de terre les saisit, et l'aube les trouva prostrés dans leur demeure. Salih se détourna d'eux en disant, ô mon peuple, je vous avais transmis le message de mon Seigneur, et je vous avais conseillé sincèrement, mais vous n'aimez point les conseillers sincères. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء
بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Et Lot dit à son peuple, « Vous livrez-vous à cette abomination, à laquelle nulle créature ne s'est livrée avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes un peuple outrancier. » Et pour toute réponse, les gens de son peuple se dirent entre eux, « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui, en vérité, veulent se garder purs. » Alors nous les avons sauvés, lui et sa famille, à l'exception de sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait tomber sur eux une pluie. Vois donc quelle fut la fin des criminels. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين Aux Médian, nous avons envoyé leur frère, Shoaïb. Ce dernier leur dit, « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Certes, une preuve claire vous est venue de la part de votre Seigneur. Donnez le bon poids et la bonne mesure, et ne lésez pas les gens en leur donnant moins que ce qu'il leur revient. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. » Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Ne restez pas à l'affût sur les routes dans le but de menacer les voyageurs et de détourner du sentier de Dieu ou le lui rendre tortueux celui qui croit en lui. Rappelez-vous lorsque vous étiez peu nombreux et qu'il a multiplié votre nombre. Et regardez donc quelle fut la fin de ceux qui sèment la corruption. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ S'il y a une partie d'entre vous qui croit au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une autre partie n'y croit pas. Alors patientez, jusqu'à ce que Dieu juge entre nous. Il est certes le meilleur des juges. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Les notables de son peuple, s'enflant d'orgueil, dirent: Nous vous expulserons certes de notre cité, Shoaib, toi et ceux qui croient avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il dit, même si cela nous répugne, nous forgerions certes un mensonge contre Dieu si nous revenions à votre religion, après que Dieu nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y revenir, à moins que Dieu ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toute chose de sa science, et c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Notre Seigneur tranche entre nous et notre peuple, en toute vérité, car tu es le meilleur des juges. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent « Si vous suivez Shoaib, vous serez assurément perdants. » Alors le tremblement de terre les saisit, et l'aube les trouva gisant dans leur demeure. Ceux qui avaient rejeté Shoaib disparurent, comme s'ils n'avaient jamais vécu là. Ceux qui avaient rejeté Shoaib furent les perdants. Alors il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur et je vous ai conseillé sincèrement. Pourquoi donc m'attristerais-je sur des mécréants ?» وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans affliger ses habitants de tribulations et d'adversités afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions pour une meilleure, à tel point qu'ayant plus de richesses et étant plus nombreux, ils dirent Nos ancêtres aussi ont été touchés par la détresse et les tribulations. Alors nous les avons saisis par surprise, sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux,
Nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti. Nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri de ce que Dieu leur réserve? Seuls ceux qui sont perdus se sont à l'abri de ce que Dieu leur réserve. N'apparaît-il pas évident à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur de sorte qu'ils n'entendraient alors plus rien. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Voilà les cités dont nous te racontons certaines nouvelles. Des messagers étaient venus à eux avec des preuves évidentes. Mais ils ne voulaient pas croire en cela même qu'ils avaient déjà rejeté dans le passé. C'est ainsi que Dieu scelle le cœur des négateurs. Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. En fait, la plupart d'entre eux étaient des pervers. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles à Pharaon et ses notables. Mais ils refusèrent d'y croire. Vois donc quel fut le sort ultime des corrupteurs. Moïse dit, ô Pharaon, je suis certes un messager de la part du Seigneur des mondes. Je suis digne de ne dire sur Dieu que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de votre Seigneur. Renvoie avec moi les fils d'Israël. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, montre-le-nous si tu es du nombre des véridiques. Moïse jeta son bâton, et voilà que ce fut un serpent. Puis il sortit sa main, et voilà qu'aux yeux des spectateurs, elle apparut d'une blancheur éclatante. Les notables du peuple de Pharaon dirent « Voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Que commandez-vous » Ils répondirent « Fais-les attendre, lui et son frère, et envoie dans les villes des rassembleurs, qui te ramèneront tout magicien averti. » Les magiciens vinrent à Pharaon et lui dirent « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ?» قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Il dit, oui, et vous ferez partie de mon entourage. Ils dirent, ô Moïse, soit tu jettes ton bâton le premier, soit c'est nous qui jetons les premiers. Jetez, dit-il. Et lorsqu'ils jetèrent leurs bâtons, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent par cet exploit de magie. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Nous inspira à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir tout ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et tout ce qu'ils avaient fait devint insignifiant. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ils furent vaincus et se trouvèrent humiliés. Alors ils tombèrent prosternés et dirent: Nous croyons au Seigneur des mondes, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit: Croyez-vous en lui avant que je ne vous en donne la permission? C'est certainement un complot que vous avez manigancé dans la ville pour en faire sortir ses habitants. Mais bientôt, vous saurez. Je vous ferai couper mains et pieds opposés et je vous crucifierai tous. Ils dirent: En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont apparus. Notre Seigneur, déverse de la patience sur nous et fais-nous mourir en tant que musulmans. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Les notables du peuple de Pharaon dirent: Laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption sur terre et vous abandonner? Toi et tes divinités? Il dit: Nous allons massacrer leurs fils et épargner leurs femmes, car nous avons certes le dessus sur eux. Moïse dit à son peuple: Cherchez secours auprès de Dieu et endurez patiemment, car la terre appartient à Dieu, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et certes, les pieux connaîtront une fin heureuse. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Ils dirent: Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, ainsi que depuis ton arrivée. Il dit: Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et fasse de vous des héritiers sur cette terre, afin de voir comment vous agirez. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de famine et par une diminution de récolte, afin qu'ils se rappellent. Et lorsqu'un bien leur parvenait, ils disaient: Cela nous est dû. Et si un mal les frappait, ils l'attribuaient à des auspices funestes qu'ils associaient à Moïse et à ceux qui étaient avec lui. En vérité, ce qui leur arrivait ne provenait que de Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Il disait, quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. Alors, nous leur avons envoyé l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, toute une succession de signes explicites. Mais ils étaient des criminels, empreints d'arrogance. Et quand le fléau les frappa, ils s'écrièrent, « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qui te lie à lui. Si tu éloignes de nous le fléau, nous croirons certainement en toi et laisserons partir les enfants d'Israël avec toi. » ما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Lorsque nous eûmes éloigné d'eux le fléau, jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, ils violèrent leur engagement. Alors nous les rétribuâmes en conséquence, nous les noyâmes dans la mer pour avoir rejeté nos signes et n'y avoir point prêté attention. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avions bénies. Et la belle promesse de ton Seigneur aux enfants d'Israël se réalisa en récompense pour leur patience et leur constance. Et nous avons détruit tout ce qu'avaient fait Pharaon et son peuple, ainsi que tout ce qu'ils avaient construit. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple dévoué aux idoles qu'ils possédaient. Ils dirent, ô Moïse, fabrique-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il répondit, vous êtes vraiment un peuple ignorant. Le culte auquel ces gens s'adonnent sera détruit, et tout ce qu'ils font n'a aucune valeur. Il ajouta, chercherai-je pour vous une autre divinité que Dieu, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les autres créatures de leur époque. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Lorsque nous vous avons sauvé du peuple de Pharaon, qui vous infligeait de terribles tourments, massacrant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une énorme épreuve de la part de votre Seigneur. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Nous avons fixé à Moïse un rendez-vous pour 30 nuits, auquel nous avons ajouté 10 autres, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron, « Remplace-moi auprès de mon peuple, agis convenablement et ne suis pas la voie des corrupteurs. » ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, Mon Seigneur, Montre-toi à moi pour que je puisse te voir. Dieu dit, Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. Si elle demeure à sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur manifesta sa gloire à la montagne, il la pulvérisa, et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit, Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Dieu dit, Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Nous écrivîmes pour lui, sur des tablettes, la leçon à tirer de toutes choses, ainsi qu'une explication détaillée de toutes choses. Puis, nous lui ordonnâmes, prends-les et tiens-les fermement. Et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Je détournerai de mes signes ceux qui, sans raison, se comportent avec arrogance sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le sentier de la piété, ils ne l'empruntent pas. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils l'empruntent. Cela parce qu'ils ont rejeté nos signes et n'en ont pas tenu compte. Ceux qui rejettent nos signes et nient la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Devraient-ils être rétribués autrement que selon leurs œuvres ? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure un corps qui semblait mugir. Ne voyaient-ils pas qu'il ne leur parlait point, ni ne les guidait vers aucun chemin ? Ils l'adoptèrent comme divinité, et de ce fait devinrent injustes. Lorsqu'ils éprouvèrent du regret et comprirent qu'ils s'étaient égarés, ils dirent : À moins que notre Seigneur n'ait pitié de nous et ne nous pardonne, nous serons certainement du nombre des perdants. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Puis, lorsque Moïse retourna auprès de son peuple, fâché, attristé, il dit : Vous avez agi de manière terrible durant mon absence. Voulez-vous ôter le commandement de votre Seigneur ? Il jeta les tablettes et saisit la tête de son frère en attirant vers lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, certes les gens ont profité de ma position de faiblesse et peu s'en est fallu qu'ils ne me tuent. Ne laisse donc pas mes ennemis se réjouir à mes dépens et ne me compte pas parmi les injustes. Moïse ajouta : Mon Seigneur, pardonne-nous à mon frère et à moi, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Certes, une colère de la part de leur Seigneur et une humiliation s'abattront en cette vie sur ceux qui ont pris le veau comme divinité. Ainsi, rétribuons-nous ceux qui inventent des mensonges. Ceux qui commettent de mauvaises actions et qui ensuite se repent et croient. Certes, par la suite, Dieu est pardonneur
et miséricordieux envers eux. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Puis, lorsque la colère de Moïse se fut apaisée, il ramassa les tablettes dont le texte constituait un guide et une miséricorde pour tous ceux qui craignent leur Seigneur. Moïse choisit, parmi son peuple, 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu nous aurais détruits depuis longtemps déjà, moi y compris. Vas-tu nous détruire pour ce que des insensés parmi nous ont fait ?» Ce n'est là qu'une épreuve de ta part, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre gardien et protecteur. Alors pardonne-nous et sois miséricordieux envers nous, car tu es le meilleur des pardonneurs. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Prescris-nous le bien, ici-bas comme dans l'au-delà. Certes, nous nous sommes tournés vers toi, repentant. Alors Dieu dit, je frappe de mon châtiment qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et croient en nos signes. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur interdit ce qui est blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et les libère de leurs fardeaux et des chaînes qui les entravent. Ceux qui croiront en lui, qui l'honoreront,
qui l'assisteront et qui suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont ceux qui réussiront. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Dis, ô homme, certes je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient le pouvoir suprême sur les cieux et la terre. Nul Dieu à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Alors croyez en Dieu et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Dieu et en ses paroles. Suivez-le, peut-être serez-vous bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il y a une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui de ce fait exerce la justice. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Nous les avons divisés en 12 tribus, en communautés, et nous avons révélé à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, « Frappe le rocher avec ton bâton. » Et voilà qu'en jaillirent 12 sources, et chaque tribu sut à quelle source s'abreuver. Nous fîmes en sorte que les nuages leur procurent de l'ombre, et fîmes descendre pour eux la manne et l'écaille, en disant « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils ont causé du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. » وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Lorsqu'on leur dit, habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise et dites pardon. Et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Les injustes parmi eux remplacèrent par d'autres paroles celles qu'on leur avait dites. Nous fîmes descendre du ciel un fléau qui s'abattit sur eux à cause du méfait qu'ils avaient commis. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون Interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on y transgressait le sabbat, leurs poissons leur apparaissaient à la surface de l'eau le jour de leur sabbat et ne venaient pas à eux les jours où ce n'était pas le sabbat. Ainsi, les éprouvions-nous pour prix de ce qu'ils étaient pervers. Et lorsqu'une communauté parmi eux dit « Pourquoi prêchez-vous un peuple que Dieu est sur le point de détruire et de châtier d'un châtiment terrible ?» Ils répondirent « Pour être dégagés de toute responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur. » Et, sait-on jamais, peut-être deviendront-ils pieux. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qui leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un affreux châtiment les injustes à cause de leurs actes pervers. Lorsqu'ils refusèrent, par orgueil, de laisser tomber ce qui leur était interdit, nous leur dîmes « Soyez donc des singes abjects ». وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Lorsque ton Seigneur annonça qu'il allait envoyer contre eux et jusqu'au jour de la résurrection quelqu'un qui allait leur imposer un cruel tourment. Certes, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Nous les avons répartis en différentes communautés sur la terre. Certains d'entre eux sont vertueux et d'autres le sont beaucoup moins. Nous les avons éprouvés par la prospérité et par l'adversité afin qu'ils reviennent peut-être vers nous. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين Puis une autre génération leur succéda et l'hérita du livre mais préféra les biens éphémères d'ici-bas en disant
cela nous sera pardonné. Et si des choses semblables leur étaient offertes, ils les accepteraient. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre, selon lesquels ils ne diraient sur Dieu que la vérité? Ils avaient pourtant étudié son contenu, et la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui sont pieux. Ne comprenez-vous donc pas? Ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière, en vérité, nous ne laissons jamais perdre la récompense de ceux qui s'amendent. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Lorsque nous avons brandi le mont au-dessus d'eux, comme si c'était une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Nous dîmes, tenez fermement à ce que nous vous avons donné et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Dieu. Quand ton Seigneur tira des reins, des fils d'Adam, une descendance, et les fit témoigner à propos d'eux-mêmes, en disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils dirent « Oui, en vérité, nous en témoignons. » Cela, afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, « Certes, nous étions inattentifs à tout cela. » إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Ou que vous ne disiez, c'est que nos ancêtres, autrefois, attribuaient des associés à Dieu, et nous sommes leurs descendants. Vas-tu nous détruire à cause de ce que faisaient les tenants du faux? Ainsi, détaillons-nous les signes, peut-être reviendront-ils. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions transmis nos signes, mais qui les ignora. Satan l'entraîna avec lui et il devint ainsi du nombre des errants. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il se cramponna à la terre et suivit sa propre passion. Il était semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite si tu le laisses tranquille. Tel est l'exemple des gens qui rejettent nos signes. Raconte-leur l'histoire des anciens, peut-être réfléchiront-ils. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Quel mauvais exemple que ces gens qui rejettent nos signes et qui se font ainsi du tort à eux-mêmes. Celui que Dieu guide est vraiment bien guidé, et celui que Dieu égare, les voilà les perdants. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons créé beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont un cœur avec lequel ils ne comprennent rien, des yeux avec lesquels ils ne voient point, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent guère. Ils sont comme les bestiaux, en fait, ils sont encore plus égarés qu'eux. Ce sont eux les insouciants. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et éloignez-vous de ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils auront fait. Parmi ceux que nous avons créés se trouve une communauté qui guide les autres vers la vérité et qui, par celle-ci, exerce la justice. Ceux qui rejettent nos signes, nous les conduisons graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Je leur accorde un sursis, car mon stratagème est solide. ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. N'ont-ils pas réfléchi? Leur compagnon Mohammed n'est pas fou. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas considéré le royaume des cieux et de la terre, et tout ce que Dieu a créé, et que leurs propres termes se rapprochent? En quelles paroles croiront-ils après cela? Ceux que Dieu égare, il n'y a aucun guide pour eux, et il les laisse errer aveuglément dans leur insoumission. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا
أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Il t'interroge au sujet de l'heure dernière. Quand arrivera-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en temps voulu. Elle est lourde dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que de façon soudaine. Il t'interroge comme si tu étais bien informé à son sujet. Dis, seul Dieu en a connaissance, mais la plupart des gens ne savent pas. Dis, je n'ai de pouvoir pour moi-même sur aucun bénéfice, ni sur aucun mal, sauf ce que Dieu veut bien. Si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour ceux qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être dont il a tiré son épouse afin qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et après qu'il se fût uni à elle, elle porta d'abord une charge légère, avec laquelle elle se déplaçait facilement. Mais lorsqu'elle devint plus lourde, tous deux invoquèrent Dieu, leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Mais lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux attribuèrent à d'autres une participation dans le présent qu'ils venaient de leur faire. Pourtant, Dieu se situe bien au-delà des associés qu'il lui attribue. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Attribue-t-il à Dieu des associés qui n'ont jamais rien créé et qui sont eux-mêmes créés, qui ne peuvent en rien les secourir ni se secourir eux-mêmes. Si vous les invitez vers le droit chemin, ils ne vous suivront pas. Que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence, le résultat est le même pour vous. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Certes, ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour saisir,
des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Dis, invoquez donc vos prétendus associés, puis complotez contre moi, sans me laisser aucun répit. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Certes, mon protecteur c'est Dieu qui a révélé le livre. Il accorde sa protection aux vertueux. Ceux que vous invoquez en dehors de lui n'ont le pouvoir ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de bien, commande ce qui est convenable et détourne-toi des ignorants. Et si jamais une calomnie incitée par Satan t'afflige, alors cherche refuge auprès de Dieu, car il entend tout et sait tout. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ Lorsqu'une suggestion de Satan vient troubler ceux qui sont pieux, ils se rappellent Dieu et voient aussitôt les choses clairement. Quant aux égarés, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, ensuite ils ne cessent de s'enfoncer. Et quand tu ne leur apportes pas de signe, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. » Ce Coran est une preuve claire venant de votre Seigneur, un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Et lorsque le Coran est récité, prêtez l'oreille attentivement et gardez le silence, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu. Invoque ton Seigneur intérieurement, en toute humilité et crainte, à voix basse, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Certes, ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui.